Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle je vous fais la présentation d'écouteurs sans fil, dans ce cas-ci de la marque JBL. Et on est sur le modèle Tune 125TWS. Savoir qu'ils ont des grands frères, les 225TWS, mais très sincèrement, je préfère les 125. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi, entre autres, en plus des caractéristiques, et de vous faire la présentation de ces écouteurs. À savoir que vous trouvez ces écouteurs à une centaine d'euros en magasin, donc ça reste quand même un prix quand même assez élevé, mais je vous propose d'aller voir tous les liens qui sont en description ou dans l'espace commentaire, donc au bas de la vidéo, pour retrouver ces produits, ce produit en tout cas au meilleur prix, à savoir qu'on peut le trouver à déjà une cinquantaine d'euros sur Amazon, donc je vous invite à aller voir tous les liens qui se trouvent en bas de la vidéo, dans la description ou bien dans l'espace commentaire. À savoir que ce produit existe en plusieurs couleurs. En fonction de la couleur que vous voulez, bah, ça sera plus ou moins cher. Ça dépend un petit peu des disponibilités. Dans mon cas, je les utilise donc depuis plus ou moins 2 mois. J'en suis extrêmement satisfait, d'où cette vidéo. Donc forcément, l'article est déjà déballé. J'ai simplement gardé la boîte. Je vais vous montrer un petit peu le package en lui-même. Voilà, donc simplement des prospectus avec la garantie, mode d'emploi du produit. Ici, c'est un petit détail. Vous avez différents embouts. En fonction de la taille de vos oreilles, vous pouvez simplement adapter ça sur les écouteurs. Et on va passer donc aux écouteurs en eux-mêmes. Donc ils sont dans leur petit boîtier ici. Donc c'est un petit boîtier qui doit faire 5 cm sur 6 et 2 cm d'épaisseur. Donc il se laisse quand même facilement oublier dans le fond d'une poche. Et donc on retrouve les écouteurs qui sont bien rangés dans ce boîtier. Il faut savoir que ce boîtier fait office de batterie. Donc quand vous sortez l'écouteur, bien forcément, il se déconnecte du boîtier. L'écouteur en lui-même a une autonomie de 8 heures et le boîtier permet d'utiliser vos écouteurs pendant 32 heures. Donc, le boîtier permet 4 charges de 8 heures complètes par écouteur, tout simplement. Donc, ça, c'est déjà une très bonne chose que d'avoir ce boîtier qui permet justement de recharger vos écouteurs. Et franchement, 32 heures, c'est vraiment énorme. Alors, ce petit boîtier, il se charge en USB-C. Tout simplement de cette manière-là, vous avez le petit câble USB-C qui est chargé, vous connectez à une prise USB classique, hein, comme pour charger un smartphone. Et il me semble qu'il faut 2 heures de chargement pour recharger la batterie du boîtier en fait. Donc ce qu'il y a de très bien avec ces écouteurs, c'est que vous allez pouvoir les connecter en Bluetooth sur votre smartphone, votre tablette, dans la voiture éventuellement. Vous allez pouvoir passer des appels avec, donc parce qu'il y a un petit micro dessus forcément. Vous allez pouvoir les utiliser en mode solo, soit avec 2 écouteurs, soit avec un seul. Donc vous pouvez passer un appel tout simplement en mettant un seul des 2 écouteurs dans vos oreilles. Donc ça, c'est vraiment le top. Et donc comme je le disais tout à l'heure, vous avez les petits embouts ici que vous pouvez enlever très simplement. Je ne vais pas le faire parce que moi, ils sont bien positionnés. Mais en fonction de la taille de votre oreille, vous pouvez choisir la paire d'embouts qui correspond le mieux à votre oreille. Donc ça, moi qui n'avais jamais utilisé d'écouteurs sans fil, j'ai été très surpris que ce petit boîtier puisse servir de batterie finalement. Et puis vous voyez que le rangement est vraiment très simple. Vous le positionnez tout simplement de cette manière-là. Et puis c'est aimanté, l'écouteur se range parfaitement lui-même. Et comme on le voit, ici on a l'indication de la batterie du boîtier. Et puis forcément, ben, moins il y a de batterie, moins vous aurez de petites lampiotes qui seront allumées. Le logo qui se trouve sur l'oreillette fait également office de bouton. L'oreillette gauche, quand vous cliquez dessus, ça passe la musique suivante. Par contre, quand vous appuyez sur l'oreillette droite, ça met en pause la musique. Pareil, hein, si vous voulez passer un appel, couper un appel, vous appuyez sur l'un ou l'autre bouton. Donc ça, c'est vraiment sympa d'avoir intégré un bouton, en tout cas, sur chacun des écouteurs pour les optimiser au maximum. Alors, l'appareillage avec le smartphone ou la tablette ou que sais-je encore se fait de manière très simple avec l'option Bluetooth de votre smartphone ou de votre tablette. Forcément, vous allez dans les options de votre appareil, vous allez dans les options de Bluetooth, vous l'activez tout simplement. Et puis, vous aurez JBL Tune 125TWS qui va s'afficher dessus. Et puis, dès que vous aurez sorti votre écouteur, eh bien, il va s'appareiller, dans mon cas, automatiquement, puisque ils ont déjà été appareillés ensemble. Et puis, on a la petite LED, la petite diode bleue ici, qui va se mettre à clignoter pour indiquer qu'elle est bien appareillée avec un appareil, tout simplement. Alors,
Si vous n'utilisez qu'une seule oreillette, vous passez en mono, donc vous aurez tout le son qui sera dans une seule oreillette. Et si en cours d'appel ou en cours de musique, vous décidez de sortir la deuxième, eh bien la deuxième va également s'appareiller, vous voyez, elle est passée en bleu également, et le son va se répartir entre les deux oreillettes. Donc vous aurez un son qui est stéréo. Je dois dire qu'au niveau du son, il est d'une super bonne qualité. Pour écouter la musique, c'est vraiment un plaisir. Pour passer un appel également, c'est très plaisant parce que vous entendez très bien, le micro fonctionne super bien. On est sur un produit qui est certifié par JBL Pure Bass, donc on a vraiment un son qui est vraiment très bon. Et puis finalement, on a un produit qui est très léger, qui ne pèse que 73 grammes. Alors pourquoi je préfère ce modèle 125 TWS au grand frère qui est le 225? Tout simplement parce que ici, les embouts, vous pouvez les adapter. Sur le modèle 225, malheureusement, vous avez un plus gros truc dans l'oreille et franchement, j'aime pas, je trouve pas ça confortable. Je préfère nettement ce genre de modèle qui vous rentre assez bien dans l'oreille. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Malheureusement, je peux pas vous faire un test de son en vidéo vu la petite taille de ce produit. Dans tous les cas, j'en suis extrêmement satisfait. C'est pas une vidéo sponsorisée, donc j'aurais aucun intérêt à vous en dire du positif. Mais je trouve le produit vraiment bien pensé. À une cinquantaine d'euros, comparé au prix des magasins, je trouve intéressant d'aller quand même checker sur Internet. Donc je vous ai facilité le travail. Vous pouvez aller voir dans les liens et dans l'espace commentaire qui se trouve au bas de la vidéo. C'est un produit qui est vraiment bien fini. Avec le boîtier qui sert de chargeur, c'est vraiment sympa. Il offre quand même une autonomie aux écouteurs de 32 heures. C'est vraiment énorme. Et clairement, ça apporte beaucoup plus de confort pour passer des appels ou pour écouter de la musique. En ce qui me concerne, voilà, j'avais un peu peur de les perdre, tout simplement. Mais on prend très rapidement le réflexe de prendre l'écouteur et de le remettre dans son boîtier. Qui plus est, comme vous le voyez, ça se fait de manière aimantée. Donc, il n'y a pas le temps de commencer à chipoter, à le mettre dans le bon sens. Ça se fait vraiment très simplement de cette manière. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et dans tous les cas, ben, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!